Chaque message, un journalier de ta petite voix intérieure, peut être une direction générale pour ta journée. Et réécouter ce message le soir peut t'aider à considérer ta journée qui vient de s'écouler. Namasté. Bonjour, je suis ta petite voix. Et je viens te dire, ce 9 janvier, les âmes qui demeurent en moi et vivent, eh bien, vibrent et ont leur essence dans ma lumière et mon amour sont pleinement protégés de toutes les forces nuisibles. Alors, ne sois pas écrasé par les soucis du monde ou par les conditions de vie de tes compagnons humains. Si tu es écrasé, tu ne peux pas aider, car à ton tour, eh bien, tu fais partie du chaos et de la confusion dans lequel se trouve le monde. Alors que l'obscurité dans le monde s'intensifie, eh bien ta lumière intérieure doit augmenter en puissance et en force afin que tu puisses dépasser le monde et manifester la vie et la lumière éternelle. Ne permets à rien de négatif en toi d'obscurcir la lumière, mais laisse-la s'embraser en toi. Aucune force extérieure ne peut éteindre la lumière intérieure. Elle reste à jamais ardente, quel que soit l'état apparent du monde. Tu sais, par ton exemple vivant, tu peux aider à transformer l'obscurité en lumière. Reste en contact constant avec moi, ta petite voix. Laisse-moi t'inspirer en toutes choses. Je te souhaite une excellente journée. Douce pensée.